de nettoyage mobile que j'ai posé ici. J'ai commandé une roue de secours complète, pneus plus jantes chez 123pneus.fr, puisqu'ils font des livraisons de pneus déjà montés, équilibrés, roue complète, qui est exactement en bonne dimension. J'ai juste dégonflé pour qu'elle rentre parfaitement dans le coffre. Et j'ai un compresseur de qualité allemande que j'ai acheté chez Amazon, 40€. Et j'ai encore de l'espace derrière. Ah oui, avec tout ce qui est triangle, bombe, anti-crevaison, etc. Il y a de quoi mettre facilement. C'est plus grand qu'un emplacement. C'est quasiment un bagage cabine. Voilà. Donc ça va jusqu'au fond. Donc il y a énormément de... Donc c'est vraiment une familiale. Ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt que d'acheter une voiture thermique familiale classique plus une citadine électrique, absolument. Autant avoir directement une électrique familiale. Qui permet de partir sans problème. Et la Tesla remplit ce rôle. Voilà. Et en plus, quand on prend la version avec le toit panoramique, on a la possibilité de monter des barres d'une galerie de toit. Ce que j'ai commandé, parce que moi je fais du surf de vagues, du surf des neiges et puis du stand-up paddle. Et quand je vais descendre à l'île de Ré et à l'île d'Oléron en septembre, je vais monter des barres tulées, ça se trouve, pour à peu près 300€ le kit complet. Évidemment, après ça va consommer plus. Ça consomme plus, donc il faudra faire attention. Mais bon, ça veut dire que à l'aller et au retour, je vais avoir 4 jours dans l'année où il va falloir que je fasse attention à ma consommation. Il va falloir que je planifie une recharge à un moment. C'est tout. C'est uniquement pour les départs en vacances, en fait, quoi. Exactement. C'est tout. Le reste du temps, En fait, ceci dit, quand on part en vacances avec une thermique, on planifie plus ou moins aussi, parce qu'on sait qu'on va s'arrêter une fois, faire le plein ou... Absolument. Et là, ce qui est bien à l'arrière, c'est que c'est totalement plat. Il n'y a pas de tunnel de servitude. Ah, il n'y a pas de tunnel de transmission. Il y a même plus de place pour la personne au milieu que sur les places derrière les sièges. Voilà, tout est là. C'est superbe. Et la vue, les clients me disent que quand ils sont installés derrière, la vue avec le toit panoramique est superbe.